Salut à tous et bienvenue dans une nouvelle semaine du 18h de Télé Nantes. Vous connaissiez les lundis au soleil. Ce soir, on instaure le lundi en musique. C'est le premier live sur notre tout nouveau plateau ce soir. Alors, on est un petit peu nerveux. Hein. C'est peut-être un détail pour vous, mais pour nous, ça veut dire beaucoup. Et c'est le groupe Rome for Pauline qui l'inaugure ce soir, un groupe nantais pop-rock, à l'occasion de la sortie de leur premier album, Living Florida, qui est sorti il y a tout juste 3 jours. Alors, on est vraiment heureux et fiers qu'ils viennent sur Télé Nantes nous présenter 2 extraits de ce nouvel album. J'espère que ça va vous plaire. Et puis, on ira aussi se balader avec Delphine de KidiClick.fr. Ce soir, elle ne vient pas en plateau. C'est nous qui la suivons à l'occasion d'un Kidi reportage. Ce sera au château de Nantes. Les petits-enfants de KidiClick et les grands-enfants de Rome for Pauline, c'est le programme du 18h de Télé Nantes du lundi 28 septembre qui démarre tout de suite. Et voilà, Rome for Pauline, ils sont là, ils sont beaux. Et ils ne sont que 2, parce que d'habitude, ils sont 5 maintenant. On dit un petit coucou aux 3 qui ne sont pas là. On les dispute, on les... Oh, on ne va pas les disputer, c'est parce qu'ils travaillent. Donc, d'accord. Bon, on les nomme Émile. Pierre, désormais au clavier. Ouais. Et Antonin. Et Antonin, voilà, les 3 autres qui forment Rome for Pauline, qui sont restés chez eux. Mais vous nous proposez un petit 7 à 2. Ouais, voilà. Voilà. Tous les deux. Ouais, avec un premier titre qui s'appelle... Pan Peter. Eh ben, on vous écoute et puis on se cause juste après. Voilà, Pan Peter par Rome for Pauline. C'est la version acoustique ce soir sur le plateau de Télé Nantes. Je vous invite à me rejoindre, Romain et Thibault, les 2 membres de Rome for Pauline, pour ce soir en tout cas, qu'on reçoit à l'occasion de la sortie du nouvel album Living Florida, qui est sorti le 25 septembre dernier, il y a tout juste 3 jours.
Pan Peter pour Peter Pan, évidemment. Le syndrome de Peter Pan, ça veut dire que vous êtes resté coincé dans l'enfance? C'est tout l'inverse, en fait. Finalement, c'est pour ça qu'il est à l'envers. Tout à fait. Donc vous avez grandi. Ouais, voilà. Et c'est un petit peu la thématique qui englobe cet album Living Florida, qui est une référence à notre première sortie, justement, il y a 5 ans maintenant, ouais. Qui s'appelle Miami. Et voilà, c'est un peu un regard porté musicalement et puis même dans les thématiques abordées dans les paroles. De ces 5 ans qui sont écoulés et de ce qui est... C'est vrai qu'il y a du chemin qui a été parcouru hein, depuis ce temps-là. Nous, vous avez reçu déjà en 2011 et à l'époque, on écoutait ce tube-là, « I can reach the top ». Coming up, I can't find no issue out from this road. But if you're coming along, I find out where you will come from. Voilà, ça c'était en 2011. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? On a pris de l'âge. Quel il a été? Ouais, déjà, on a changé. Les comédiens du clip ouais. Et nous-mêmes, on a pris de l'âge un peu. Ouais. Mais quel a été justement ce chemin en 5 ans? Comment vous avez évolué, mûri aussi pour penser c'est un premier album? Bah ouais, je pense que y a pas mal de choses qui sont passées entre temps. On a changé de line-up déjà, et puis. Tu veux dire la composition du groupe? Tout à fait, voilà. Un bon français. Exactement. Les membres qui le constituent ne sont plus les mêmes. C'est ça. Et ouais, je pense qu'à cette époque-là, on n'était peut-être pas encore prêt à assumer un premier album parce que les questions telles que quelle est la musique qu'on fait, comment on veut la faire, qu'est-ce qu'on veut dire, les questions qui sont peut-être pas forcément celles qu'on se pose quand un groupe débute et il y a une spontanéité en fait qui est, je pense, nécessaire, mais qu'on a besoin de quitter aussi peut-être pour vraiment travailler et travailler le fond aussi de notre musique. Et c'est ça qui a pris autant de temps. On a une photo aussi de la nouvelle famille Rome for Pauline, donc vous êtes 5 désormais, avec d'autres groupes nantais, enfin des membres qui sont issus d'autres groupes, notamment de Pégase. Ouais, mais alors donc c'est Pégase qui a produit, enregistré, mixé l'album, qui a été de cette patience dont on le reconnaît, et qu'on a accompagné pendant toute sa tournée du premier album. Et désormais, c'est Pierre Lucas qui nous accompagne au clavier. Et voilà. C'est ça. Alors vous êtes là depuis le début, en fait. Pas vraiment depuis le début, parce que Romain a commencé avec Paul, donc qui n'est plus dans le groupe maintenant, qui était le premier guitariste. Mmh. C'était un duo folk, et puis après avec Émile, donc le batteur, celui qui a les lunettes. On les a rejoints, on a formé un quatuor jusqu'à cet album, parce que le claviériste, on l'a rajouté qu'après pour libérer un peu Romain et qu'il puisse faire un petit peu plus ce qu'il veut avec son micro et avec le public surtout. Voilà, c'est ça, comme ça que vous êtes recomposé, qu'aujourd'hui, voilà, on a ce Rome for Pauline nouvelle version. Alors ça, c'est pour la composition. Mais dans la musique aussi, évidemment, ça a changé. Entre ce qu'on a entendu là, au début de l'émission et puis le morceau que j'ai passé pour le petit clin d'œil, musicalement, ça a changé. Dans la présentation de votre album, il est dit « Le groupe, plutôt que de refaire le même puzzle que les autres, empile les pièces de Jenga, saoule classique rock, pop et R&B et regarde ce qu'il se passe quand tout se casse la figure, tantôt le sourire aux lèvres, tantôt la larme à l'œil. » J'aime bien ces petits descriptifs de présentation d'album, c'est toujours très, très lyrique, très littéraire. Musicalement, ça veut dire quoi? Musicalement, ça veut dire que ces influences que vous citiez juste avant, elles étaient là. Et elles étaient là peut-être de manière justement un peu éparpillée et peut-être mal ingérées pour la plupart. Et que ça pouvait peut-être s'apparenter à un peu le grand écart ou un peu la copie avant, parce qu'on est... 5 amis qui écoutons pas mal de choses différentes. Et maintenant, on a réussi un petit peu à synthétiser tout ceci au sein de la musique pop. Alors, on voit là des images d'un clip qui a été tourné au Château des Ducs à Nantes, Boy Shake Lady. Comme ça, voilà, on voit un petit peu les 5 membres du groupe en action. Du coup, il est quand même plus rock aussi, vraiment. Cet album, il est vraiment plus rock, un peu plus même rappeux, un peu plus... Ben ça, c'est pas un morceau qui est dans l'album. Mais oui, c'est le piège. C'est un morceau qui était dans le tout premier EP qu'on a fait, qui s'appelait Miami, du coup.
et qui était, il y a Romain meilleur comment en date, c'était 2010, qui est sorti en 2010, ouais. Miami, ouais. Et du coup, c'était un peu le seul morceau, c'est le seul morceau qu'on joue encore en live des deux EP qu'on a sortis précédemment. Mmh. Parce qu'il correspond plus à la touche du Living Florida. Bah, finalement, c'est la jonction. Ouais. C'était peut-être une erreur, ou je sais pas, mais en tout cas, il ressemblait vachement. Ça n'a pas été une influence pour notre album non plus, mais on s'est rendu compte après avoir composé les morceaux que c'était le seul qu'on arrivait à caser dans notre set et que. Mmh. Voilà. Mais plus rock, plus rappeur, vous êtes d'accord avec ça? Ah oui, tout à fait. Ouais, c'est ça, un peu moins coloré que ne pouvait l'être... Un peu moins sautillant que Can't Reach the Top. Ouais, mais un peu moins sautillant. Vous sautillez quand même encore un petit peu sur scène. Ouais. Bah, peut-être même plus. Plus. Mais c'est sautillant dans le côté un petit peu naïf. Je pense qu'il y a une naïveté qu'on a laissé un petit peu de côté. Ouais, vous avez dit naïveté, spontanéité avant, maintenant c'est fini, on est plus intellectuel. Hyper réfléchi, on devient super ennuyeux en fait. Et ça veut dire que dans les paroles aussi, on change, on n'est plus dans la légèreté, on est dans la gravité également. Ouais. On parle d'amour perdu, de bonheur perdu. Mais de quoi on parle dans Living Florida? Sans forcément rentrer dans la blague ou dans l'excès, et sans vouloir être ennuyeux, ce qui est certain, c'est que il y a une certaine part d'adolescence qu'on a laissée un peu derrière nous et qui est propre à ces années passées. Ouais. Voilà, c'est juste. Mais en fait, il n'y a pas que de la mélancolie ou quelque chose de super désabusé. C'est aussi se donner les armes nécessaires pour aller de l'avant et pour grandir. Voilà, on a plus 18 ans, on en a 26. Alors non pas qu'on soit devenu des vieux has-been, mais juste voilà, on regarde un petit peu derrière nous pour mieux regarder devant nous. Voilà. Ça serait peut-être un peu hypocrite de raconter encore des histoires d'adolescents et de comme si on avait 18 ans alors qu'en fait maintenant on a 26 ans. On préfère raconter les histoires qui nous concernent à notre époque. Les questions qui sont inhérentes. Puis surtout quand on fait un album, parce que c'est un premier album, c'est un grand moment aussi. Les EP avant, voilà, c'est déjà pas mal. Mais là, l'album, c'est du sérieux. Comment ça s'est passé, l'enregistrement de cet album-là? Ça a été un peu long. On a fait des premières sessions. Il y a peut-être... les premières fois où on a commencé à enregistrer des morceaux pour l'album, c'était il y a 2 ans, je pense, à peu près. 2013, ouais, c'est ça. On avait enregistré 3 morceaux, et sauf qu'on s'est rendu compte que c'était pas encore ce qu'il nous fallait, et qu'il fallait qu'on travaille encore. Après l'enregistrement, on a fait ça donc, du coup, avec Raphaël de Pégase. On a notre studio d'enregistrement. Lui a son studio d'enregistrement à Trampolino, c'est aussi notre local de répète. Ouais. Studio Futur. C'est ça, le studio Futur. Label Futur aussi, du même nom, qui produit pas mal d'artistes nantais. Dont Pampeline, ça tombe bien. Et du coup, on a un peu, c'était la bidouille. Raphaël a plein de super machines, mais qui sont des trucs vintage qui marchent que la moitié du temps finalement. Et plein de synthés et plein c'est de. C'est pour ça que ça prend du trucs. Temps de faire un album. Ça marche. Au chaud, en tout cas, faut pas les emmener avec nous. Ouais, c'est ça. C'est des trucs qui peuvent pas bouger et qui sont super, mais par contre, qui ont des utilisations très précises. Et fragiles. Du coup, on a vachement bidouillé. Lui nous a beaucoup aidé là-dessus parce que on a par exemple passé toutes les batteries dans des magnétophones pour pouvoir les dépitcher pour qu'elles soient plus vaporeuses. Et tout ça. C'est des trucs très techniques, mais voilà, on l'entend pas forcément dans l'album, et nous on l'entend et on est content du résultat. Ça veut dire que tout ce dispositif, on l'emmène pas sur scène, hein, pour autant. Non. Ouais, sur scène. Mais bon, là vous avez envie d'en découdre là un peu. Il va y avoir un concert de sortie d'album ce jeudi au Ferrailleur. Vous avez envie d'aller le présenter? Ouais, bien sûr. Ouais. Bah parce que voilà, maintenant l'album est sorti, on est très heureux que les gens puissent le découvrir. Et là, je pense que on trépigne assez d'impatience de le présenter sur scène jeudi au Ferrailleur. Et oui, c'est sûr que. Voilà, on a eu la chance, de par le studio Futur qui est basé à Trampolino, d'avoir tout le temps nécessaire pour expérimenter, que ce soit prendre le temps d'amener vraiment les morceaux à leur terme et prendre le temps aussi de les emmener au bout d'un enregistrement et de les faire sonner tel qu'on voulait. Et c'est sûr que ça a été... on a fait les sessions de cet enregistrement entre novembre et mars. Et déjà, c'est pas mal de temps en tout et pour tout. Et donc là, on a très envie d'être sur scène désormais. Puis c'est un peu plus notre terrain de jeu, la scène, que le studio. C'est ça. Vu que nous, on n'enregistre rien, on laisse les autres faire pour nous. C'est plus la scène qui nous intéresse. Vous allez pouvoir vous divertir un petit peu à partir de jeudi au Ferrailleur. Et puis évidemment, il y aura d'autres dates, notamment aussi à Paris, dates. Au Badaboum, le 4 novembre. Ouais, il faut aller se montrer à la capitale un petit peu. C'est ça, c'est nécessaire. On va vous réentendre dans quelques instants pour un second extrait qui s'appelle When Endless Ends, qui est le premier single sorti vraiment de cet album. Mais avant,
nous allons faire un détour par KidiClick, puisque Delphine de KidiClick.fr, c'est notre chroniqueuse qui nous donne des sorties, idées de sorties en famille. Elle est chroniqueuse régulière dans notre émission. Mais parfois, c'est l'inverse, c'est nous qui allons la voir. C'est ce qu'on appelle un Kidi-reportage, c'est KidiClick plus reportage, avec des petits-enfants qu'on appelle les Kidi-reporteurs, du coup. C'est une vraie sortie testée par des vrais enfants. Et là, on va au château des Ducs de Nantes, ça tombe bien. On y était un petit peu avec vous tout à l'heure dans l'extrait de live. Et là, c'est le château à voir en famille, à découvrir ou à redécouvrir. Et puis en plus, en ce moment, il y a une grosse nouveauté avec la maquette du port de Nantes en 1900, complètement interactive et tactile. Je vous propose de découvrir ce Kidi reportage signé Eric Aigon. Alors aujourd'hui, avec les Kidi reporters, on va visiter le château des Ducs de Bretagne, cette belle bâtisse, un des plus vieux bâtiments de Nantes. Et on alors, va... qui va faire des boules de pique. Et Charles va nous faire découvrir la nature, voilà. Parce que c'est sa spécialité. Et donc pour notre petite visite, on a décidé de s'appuyer sur ce bouquin très chouette qui est édité par le Musée d'Histoire de Nantes aux éditions du Château et chez Gallimard Jeunesse. Et qui donne aux enfants des petites pistes pour découvrir ce beau château. Si vous regardez le château, qu'est-ce que vous voyez? Un monsieur. Où ça? Là où c'est ma fenêtre. Effectivement, un homme à la fenêtre. On appelle ça des gargouilles tout en haut. Oui. Ah, il regarde s'il y en a, je vois. Est-ce que vous savez à quoi ça sert les gargouilles? Oui, ça sert à faire joli ou pas? Ouais. Elle n'est pas qu'à faire joli, parce que si tu regardes bien, il y a un trou dans la gueule du loup. Oui. Et ça permet à l'eau de s'écouler loin des parois pour ne pas salir le château. C'est malin, hein? Et avant, en fait, il y avait un truc et un petit seau, et comme ça, tu ramenais de l'eau comme ça. Voilà. Il y a quelque chose qui est assez intéressant avec ce puits, c'est qu'il est très profond. Là, on ne voit pas. Mais il est aussi profond que la tour qui est tout en haut et haute. Vous êtes déjà tombé dedans? Je suis jamais tombée dans ce puits, non. En fait, ce qu'il faut que vous imaginiez, les enfants, c'est qu'à l'époque d'Anne de Bretagne, la Loire, elle coulait ici. Là, vous voyez. C'est ça qui a provoqué le miroir d'eau. C'était comme ça. Oh purée, il n'y avait que de l'herbe autour. De l'herbe. Et que de l'eau. Et après. Et de l'eau. On va pousser la porte du château, puis on va aller voir ce qu'on peut trouver dans ce château aujourd'hui. Ouais! Allez. Allons-y! C'est de la glace sur la Loire. Vous voyez? Ah non, il y en a plein ici. On dirait des icebergs. Oh, c'est un gros bateau. On l'a fait arriver la Loire. 1114. Alors, on va fermer celle-ci. Et c'est quoi ça? Ça, c'est une marmite de baleinier. Et au 19e siècle, on pouvait produire 80 à 120 barils d'huile par baleine. Mais c'est une baleine qui sont en train d'éplucher pour faire l'huile après. On la découpe en morceaux. Je ramasse des collations pour les autres. Qui veut la fraise? Mais c'est du poison. Non, c'est... Non. Si. Non. C'est une fraise. Voilà, merci au Kidi Reporter pour cette petite balade au château des Ducs de Bretagne où l'on peut découvrir tout un tas de choses. Comme vous l'avez observé, on peut aussi cueillir des fraises et aller se balader dans un labyrinthe. En tout cas, sachez que toute l'année, vous pouvez aller au château des Ducs de Bretagne en famille le mercredi et le samedi avec les enfants âgés de 4 à 11 ans. Il y a des ateliers qui sont proposés aux familles sur des thématiques en lien avec le château ou encore avec le musée de l'histoire de Nantes qui se trouve à l'intérieur du château. Et en ce moment, c'est Panique au château des Ducs ou Enquête du lieu secret que vous pourrez découvrir
découvrir, c'est 3 euros pour les enfants et 6 euros pour les enfants de la métropole et 6 euros quand vous n'habitez pas la métropole. Et puis pour les vacances scolaires qui arrivent, les vacances de la Toussaint, et oui, c'est pour bientôt, sachez que tous les jours pendant les vacances, enfin presque, du mardi au samedi à 15h, vous pouvez faire une visite guidée parents-enfants à la recherche des traces de la vie quotidienne au Moyen-Âge. C'est 2,50 euros pour les enfants et 4 euros pour les parents. Toutes ces infos, vous les retrouvez bien entendu sur le site de kidiclic.fr et sur le site du château de Nantes.fr, voilà, qui s'affiche également toutes ces infos pour des idées de sortie en famille. Et nous, on va retrouver Rome for Pauline, ils sont derrière moi, ils sont prêts, je le crois, oui, ils sont prêts pour jouer When Endless Ends, un deuxième morceau, c'est à vous. Between those lines, and don't call no Salvation Army. You'll be fine. I came back to hold you, but these things that you do. You don't have to.
Merci, Rome for Pauline qui dit « Tu n'as pas besoin de dire que c'est fini ». Et pourtant, c'est presque fini, cette émission. Vous allez pouvoir me rejoindre à table pour la dernière petite minute. « When Endless Ends », c'est le premier extrait de cet album « Leaving Florida » sorti le 25 septembre. Je vous invite à aller voir les clips aussi, parce qu'il y a des très beaux clips pour ce titre « When Endless Ends ». Et puis pour l'autre aussi, pour Pan Peter, il y a déjà un clip de sortie. N'hésitez pas à aller voir ça sur les internets, évidemment. Un album, on l'a pas l'objet là aujourd'hui, mais il est disponible où? Où est-ce qu'on peut le trouver? Est-ce que dans les grands magasins comme la FNAC par exemple, qu'on ne nommera pas? Non, on le trouve, un CD d'un groupe nantais, on le trouve partout? Ouais. Partout. Partout. Il est sorti national le 25 septembre. Et sur les plateformes de téléchargement. Sur les plateformes, voilà, qu'on ne nommera pas non plus. De streaming, voilà. Et vous pouvez aussi aller l'acheter dans votre petit disquaire. Voilà, par exemple chez Mélomane. Par exemple chez Mélomane. À Nantes, pour ça, on peut le dire. Voilà, ça, on peut le dire. Chez Mélomane, absolument. On est allé fêter la sortie de notre album chez Mélomane samedi dernier. Ouais, avec un petit set. C'est ça, exclusif. Ouais. Et puis, si vous voulez voir Rome for Pauline en concert, en session plus électrique, ce sera donc ce jeudi au Ferrailleurs, jeudi 1er octobre à 20h30, avec les petits jeunes de Slow Sliders aussi en première partie, des petits jeunes qui méritent. Absolument. Voilà, génial. C'est entre 10 et 13 euros la soirée, c'est à 20h30. N'hésitez pas à aller les applaudir, nous on aime beaucoup à Télé Nantes Rome for Pauline. Merci à vous d'avoir été avec nous et merci à vous de nous avoir suivis. Vous pourrez retrouver nos émissions sur télénantes.com bien sûr et sur les réseaux sociaux Facebook et Twitter. Excellente soirée, on se retrouve demain à 18h.